Après une première nuit qui s'est annoncée assez froide et en attendant la nuit prochaine, nous commençons cette deuxième journée en déambulant dehors. Troisième. Tu veux que je... Attends, je vais mettre ça. Massacré. Ouais, massacré, ouais. Fenêtre. C'est un peu compliqué, quoi. On imagine bien. Comme vous avez pu constater, la Spirit Voice commence à se faire parler d'elle. Avec les trois mots qui ont été énoncés, je ne peux ne pas faire de rapprochement avec la communication avec les baguettes que l'on a eu la veille avec le bourreau. Regardez bien l'image. La tour du fond représente la tour de l'horloge, là où a été enfermée Lucie. Si vous regardez bien, le bourreau avait regardé par la fenêtre et cette fenêtre donne tout droit sur le jardin que vous voyez en face. Y a-t-il un lien avec ces trois mots qui ont été énoncés avec la Spirit Voice et ce fameux bourreau? Ce sera à vous d'en juger. Ils vont aussi à la tour de Lucie. Donc les prisonniers devaient monter par là, je pense. Ouais. Forcément, ils rentraient pas dans le château pour aller dans la tour, hein. Et du coup, ils montaient par les escaliers où il y a... Ben, qui monte, où il y a les chaussures. Après le dérush et après ces explications, je ne peux peut-être pas en conclure, mais percevoir que le bourreau attendait les prisonniers par la fenêtre, les attendait et une fois arrivés, il les accueillait à la tour de l'horloge, puis les emmenait par la suite à la tour des pendus. Et ainsi de suite. Là, c'est la cloche défectueuse qui a été restaurée. Donc voilà. Là, c'est l'entrée de la cave. Allons-y. Voilà, on passe en infrarouge. Il va nous falloir une lampe parce qu'on connaît pas les lieux ici. Ouais. Wow. Faire une photo là. C'est très très particulier. T'es sûr que c'est des câbles? Oui, regarde. Ah oui. On va commencer par ce côté. Allez, par la gauche. Non, mais en fait, c'est ouvert. Il fait chaud, en fait, ici, comparé à ailleurs. Ça, c'est vraiment une belle cave. Hein. Toutes ces bouteilles. Ouais. Incroyable. Elles sont toutes vides, paraît-il. Ça devrait sacrément picoler ici. En même temps, à l'époque, l'eau n'était pas potable. Non. Le seul truc qui avait potable, c'était l'alcool. Est-ce que tu ressens quelque chose ici? Ben, c'est un espèce de four à pain. C'est un four à pain. Four à pain. C'est bizarre avec les... Fais gaffe là. Avec le...
le vin parce que ça chauffe. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, vas-y, je te laisse passer parce que je sais pas. Ça remonte là-haut. Ouais. Là, il fait nuit, là. D'ici là qu'on trouve pas, on pourra peut-être trouver un trésor. Mais vraiment, c'est une belle cave en plus. Les plafonds, ils sont hauts pour une cave. Ouais. Le plancher, il est quand même plus que bien. T'as à l'époque. Là aussi, un petit four. Oh, regarde, c'est la salle spéciale en face. On va aller en face, là, regarde. La salle avec des bancs. Ah ouais. Tout à l'heure, t'as dit que... Ah, mais c'est pas des bancs, enfin... C'est surtout des poutres. Mais c'est vrai que ça fait penser à des bancs. Mais je me demande si c'est pas les poutres de rechange, tu vois, je sais pas... Ouais. Mais c'est vrai que c'est curieux parce que... Une sacrée activité. À moins qu'il se passe autre chose ici. Il y a un trou là, ça va quelque part. Éclaire là. Ah, il y a de l'eau là. C'est l'eau. Alors là, c'est les eaux stagnantes. Merci. Les eaux stagnantes du château. Du château. Donc c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a des entités qui restent. Ouais. Parce que là... En termes géobiologiques, ben, l'eau retient les mémoires. Donc, si l'eau stagne comme ça, les mémoires ne partent pas. Quoi. Voilà, le reste. Tu veux pas essayer qu'on essaye un quin-deux ou un truc comme ça ici avec l'eau? Un quin-deux? Ouais. Pourquoi? Et j'ai coupé la... Tu peux même t'asseoir sur un banc. Hein. Ouais, mais non. C'est un peu... Ça. Bonjour. J'ai entendu une porte. T'as entendu? C'est vous qui avez fait ce bruit ou c'est Jérémy? Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Donc, s'il y a une présence, vous pouvez vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Dans ce lieu, maintenant? Si oui, pouvez-vous vous manifester à travers de nos appareils? Donc aussi bien la caméra que l'appareil que Pascal tient dans sa main pour nous délivrer un message, un mot. Ensuite, vous avez l'appareil qui est au sol. Il suffit de vous en approcher pour déclencher les LED.
Je précise que ces appareils sont complètement inoffensifs pour vous, qu'on ne vous veut pas de mal, nous sommes là dans la bienveillance et nous souhaitons juste établir un contact avec vous. Parce que nous sommes dans deux espaces-temps différents. C'est très important de savoir pour nous qu'il y a, de prouver qu'il y a une vie après la vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous vous manifester soit à travers de ces appareils, soit en faisant un bruit, soit en vous présentant devant la caméra. Vous pouvez aussi essayer de nous parler. Mais sachez que nous, actuellement, s'il y a quelqu'un, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, il est très important de manifester votre présence pour que nous sachions que vous êtes là. Alors, y a-t-il quelqu'un avec nous tout de suite qui souhaiterait partager un moment avec nous? C'est très calme. Mis à part la porte là-bas, mais bon, ça peut être Jérémy ou quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous manifester. On n'est pas là pour vous faire du mal. Non, non, comme on vous l'a expliqué, c'est juste pour établir une communication avec vous. D'ailleurs, vous voyez, on ne vous crie pas dessus, on ne vous provoque pas. On n'est pas là pour ça et c'est pas notre... notre envie. Notre intention. Ouais, notre intention. Bon, il n'y a personne. On continue notre chemin. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous allons reprendre notre chemin. Ouais. Voilà, si c'est encore temps de vous manifester avant qu'on parte, qu'on ramasse nos appareils. Bon, allez, go. Il y a un truc, c'est que il faut absolument pas confondre les rémanences, les mémoires du mur avec les entités. Ah oui. Ce sont deux choses différentes. Autant une rémanence, c'est une perpétuelle, je veux dire, ce sont des mémoires qui restent. Ouais, qui restent, qui résonnent. Voilà, qui stagnent, enfin, qui font un schéma répétitif. Alors qu'une entité, elle, c'est donc une inhérente qui est présente, quoi, hein, qui a rien à voir avec une mémoire. Voilà, qu'on peut capter au passage, ça peut être fictif, furtif. Furtif. Ouais, je sais pas. Ça me paraît assez bizarre, 6. Ouais. 24, je comprends. Enfin, 24, non, même pas. 24 décembre. Parce que, est-ce que c'est le prénom Noël? Peut-être le prénom Noël et 24 juin 1948.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Noël 1948, c'est ça? 24-6. Est-ce que ça 48. parle à une entité d'ici? Tout de suite. 1948. Noël. 24. 6. Non, bah Bon, écoute, allez, on en continue. termes. Après recherche sur Internet, la seule chose que j'ai pu trouver de probant à propos de cette fameuse date, le 24 juin 1948, fait office de départ du blocus de Berlin et la guerre froide. En même temps, pendant que t'allumes, je vais... Ah, c'est allumé, c'est bon. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Avec nous? Est-ce que quelqu'un souhaiterait rentrer en communication avec nous? Oui! Merci. Merci beaucoup. Donc là, il y a le K2 qui s'affole. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Mais il s'est affolé. Il était dans le rouge. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher à nouveau de cet appareil pour le déclencher? Cela confirmerait votre présence. Allez-y. Ou alors vous pouvez nous dire un mot par l'intermédiaire de l'autre appareil que tient Pascal dans sa main droite. Spirit Voice. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un gardien? Est-ce qu'il y a un prisonnier? Je vais parler un peu plus vite et puis si jamais ça déclenche, je reviens en arrière. Est-ce qu'il y aurait Lucie? Est-ce qu'il y aurait un baron? Comment il s'appelle le dernier baron? C'est Ephraim Taïgori. Ephraim Tagori. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce qu'il y a une personne qui a travaillé ici dans les écuries? Jean-Michel, c'est ça? Je sais plus. Didier, non, c'était pas Ah, des. peut-être Didier. Didier? Ça n'a pas sonné là? Non. Non? Bon, peu importe qui vous soyez, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil? Voir si je... Tiens, je vais essayer de... Voilà, c'est là. Oh! Ça s'est déclenché. Vous pouvez le déclencher à nouveau, s'il vous plaît? Vous pouvez vous rapprocher de cet appareil? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ma main? De l'appareil où il y a une lumière verte? Si vous souhaitez entrer en communication avec nous, on ne vous veut pas de mal, on est dans la bienveillance. On ne veut pas vous embêter ni vous faire de mal. On veut juste établir une petite communication, si c'est possible. Quelqu'un souhaite venir nous souhaite venir parler avec nous? Vous pouvez aussi manifester votre présence devant la caméra. Nous, on ne vous voit pas.
Les déambulations à l'extérieur n'étant pas concluantes, nous revenons donc à l'intérieur du château. Bon, on va tirer les cartes pour ce soir. Voilà, alors je sais pas quelle question on peut poser. Est-ce que notre enquête de ce soir comment on peut dire, sera pas bénéfique, sera riche? Ou est-ce que je sais pas, c'est peut-être un peu. On va demander aux énergies à quoi on peut s'attendre ce soir. Ouais, d'accord. Peut-être. Je sais pas si ça va. Quelles seront les énergies du soir? Voilà. De cette nuit. De cette. Voilà. Je... Donc, un savoir que je tire avec mes propres cartes, hein, c'est pas les cartes de 3G et tout ça. Voilà. Je tire, ouais. Il y a une carte qui est tombée. Ouais, c'est, on va la mettre. On coupe. Ouais, on coupe. Voilà. Voilà. Il fait froid, donc on a les mains un petit peu rouillées, quoi. Voilà, donc je tirais quelques cartes. On va tirer quatre cartes cette fois-ci. Voilà. Encore deux. Voilà, les cartes, une fois retournées, détermineront l'énergie du soir, de cette nuit, pardon. Donc, en premier lieu, on a tiré, enfin, elle est tombée celle-là, donc. On va éteindre le pot parce qu'il va nous embêter. Donc, on a la carte intransigeance. D'accord? Intransigeance. Il fait penser à lui. Ouais, justement, j'y avais pensé. En deuxième. On a la sensibilité. Très bien. Ensuite, on a les messages. Waouh. On peut pas faire mieux, hein, pour le moment. Après, nous avons l'ancrage. Et la La solitude. solitude. Donc, nous aurons affaire, on n'aura pas affaire à 36 entités. Ça va être un seul par un seul, d'accord? Faudra surtout pas se percher. Rester ancré. Rester ancré. Voilà. Pas essayer d'aller à droite, à gauche. Être prudent. Voilà. Jouer à la prudence. Il y aura de toute façon des messages. Alors, n'importe quel message, hein, ça peut être auditif, mais l'auditif, on l'aura pas forcément. Ouais, ce sera des messages par n'importe quel moyen. Voilà, ça peut être audible, qu'on verra une fois qu'on aura, déroché. Hein, voilà.
De toute façon, on a la sensibilité avec nous, donc, ce qui nous permettra de savoir s'il y a Une contact ou présence. pas. Et surtout, être ferme. Hein. L'intransigeance, c'est aussi la fermeté. Hein. Donc, pas se laisser perturber par ce qui peut arriver. Hein. Donc, Se laisser emporter, c'est voilà. Rester maître de soi-même. donc rester ancré. Voilà, ça marche avec l'ancrage. Donc voilà. Les énergies avec lesquelles on doit faire cette nuit. Et apparemment, ça a l'air d'être. Ça commençait à se réveiller. Enfin, je veux dire, c'est dans le thème, quoi. Ah oui, c'est dans le thème. C'est dans le thème. Donc, On va là complètement. voilà. Donc. Voilà, tirage du soir. Bonsoir. Merci à vous. Ceci dit, bien que ce soit mes cartes à moi, je ne fais pas de pub dessus. Hein, voilà. Qu'on soit clair dessus. Eh bien, merci. Et voilà. On peut Un peu ramener tard, le on poids. va continuer à installer Ouais. avant qu'il fasse nuit parce que on vous a pas dit, mais en fait, dans le château, il y a de la lumière dans les couloirs qui mènent à la chambre, dans la cuisine, la chambre, mais le reste, il n'y a aucune lumière. Dans les pièces, il n'y a pas de lumière. Non, c'est noir complet. Voilà, donc on va en profiter pour terminer d'installer tant qu'on a un petit peu de lumière, parce qu'après la lampe de poche, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas les mêmes repères. Alors, non seulement c'est compliqué, mais en plus il fait très froid. Hein, donc, Il fait pas 10 degrés là, hein, il fait, voilà. à mon avis, il fait 5 degrés à l'intérieur. Il fait plus proche de 0 ou de 5 que de 15 degrés. Non, non, 15 degrés, c'est ce qu'on a à la cuisine Avec chauffage. avec chauffage d'appoint. Donc, voilà. Voilà, ben tout à l'heure. À plus tard. Et à plus tard. Après ce tirage de cartes et après s'être entretenu avec Jérémy, le fils de la baronne, il nous révélera que les nuits sont assez calmes en ce moment. Néanmoins, il nous annonce que pour lui, les pièces qui selon sont les plus chargées sont le salon, ainsi que le cabaret et la salle de piano-conférence. C'est tout naturellement que nous allons donc nous diriger au cabaret pour y mener une séance de guéridon. Bon, alors donc il est 17 h, la nuit commence à tomber. Bon, là on voit un petit peu de lumière, mais il commence à faire bien nuit à l'intérieur. Et donc nous allons donc faire notre deuxième nuit d'investigation. Jérémy est passé. Ouais. Je veux juste voir s'il marche ça. Parce que. C'est bon, ensuite. Ça marche. Donc, par contre, voilà. On avait. On va donc aller dans la salle de cabaret, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai du spectacle, danse, musique, où j'ai installé un guéridon. Je vais juste rapprocher ce point-là en espérant que Jérémy ne trébuche Ne pas. mets pas encore au milieu, on le mettra à soi, mets-le sur le côté. Il marche là? Non, il est éteint. Ah ouais, parce que tu sais, il y a un truc dans la lampe là. Là,
Regardez, nous entrons dans la salle de spectacle, le cabaret. Cabaret, nous voilà. J'adore cette salle. Elle est, on sent que c'est l'élément de la baronne. Parce qu'on sent qu'il y a vachement eu d'investissement ici. On met de la lumière ou pas? Non. Pas pour l'instant. J'ai installé ici. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc nous sommes le samedi 25 novembre, aux alentours de 20h. Et nous commençons notre première séance de guéridon de la soirée. Deuxième depuis qu'on est à Vos. Mais la première n'a pas fonctionné. Non, ça fait chou blanc. Hein. Voilà. Bon, il est 17h, hein, par contre. Qu'est-ce que j'ai dit? 20h. Hein. 17h. Donc voilà. On va essayer de réveiller un peu l'ambiance de Vos. Hein, parce le château. Que... Ouais. Bon, on va essayer différentes techniques. Donc j'annonce que nous commençons la séance de guéridon. Donc nous ouvrons les énergies. Déjà on harmonise nos énergies à nous. Et donc nous ouvrons la séance de guéridon. Alors, on demande guidance, protection et aide et guidance, voilà, pour la séance. C'est bon? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une entité, est-ce qu'il y a une présence ici, dans cette salle, dans ce château, qui souhaiterait communiquer avec nous par l'intermédiaire de ce guéridon? J'écoute du bruit. Oui, parce que c'est Jérémy qui est à côté. Je ne sais pas, j'écoute un grincement. Alors s'il y a quelqu'un, merci de vous manifester à travers ce guéridon, de le bouger, de le basculer. Afin que l'on puisse avoir connaissance de votre présence. C'est à vous. N'ayez pas peur. On est là en toute bienveillance. Par contre, n'hésitez pas à faire bouger le guéridon. Et basculer. Il y a quelqu'un avec nous? Alors, je sens quelques impulsions, mais ça reste timide. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, franchement. Après, c'est peut-être le temps de s'harmoniser avec nos énergies. C'est peut-être normal, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que n'hésitez pas à être un peu plus sec que ça, parce que c'est timide, timide pour nous, là. Mais on sent quelque chose qui vibre sous les doigts. Nous avons placé également un instrument sur la cheminée. Vous pouvez également interagir avec.
Est-ce que vous êtes là avec nous? Si oui, merci de basculer le guéridon sur le côté. Merci. On vous remercie. Oui, merci, merci. Merci, merci. Vous pouvez Donc, venir là près du guéridon? ça signifie que bon, on peut détecter votre présence. Donc maintenant, on voudrait bien avoir un contact au guéridon, sans vouloir vous forcer. D'accord. Vous n'arrivez pas à faire bouger le guéridon? Pourtant, on vous a senti à un moment donné sous les doigts. Là, je ne le sens plus. Est-ce que vous pouvez revenir sur le guéridon? Auquel vous pouvez peut-être interagir et Tu veux que je chante le cadeau? Le truc à mots? pourquoi pas, ouais. Il y a un esprit avec nous. Est-ce que vous aimez ce bruit? Ça pas l'air. Je vais faire un petit coup de tambour. Après près d'une demi-heure d'interpellation, et mis à part le pod qui se déclenchera, rien d'autre ne se manifestera. Malgré nos multiples tentatives de déclenchement sonore, le K2 et la Spirit Voice resteront également sans résultat. Quant au guéridon, il ne bougera pas. Pourtant, nous ressentons quelques impulsions. Sommes-nous pas assez nombreux autour de la table? Le lieu est-il fatigué ou tout simplement ce n'est pas la bonne période? Nous rappelons qu'au moment de l'enquête, nous sommes sous l'énergie de la pleine lune, alors que rien ne se produira. Bon, eh ben, Écoutez. poète, poète. Ouais. On vous dit à plus tard, merci. Les résultats n'ayant pas abouti, c'est avec grande frustration que nous arrêtons la séance de guéridon. À ce moment-là, je soupçonne une défaillance d'un pod qui s'allumerait comme bon lui semble. Il n'y a peut-être aucune explication quant aux mots que je vais annoncer, mais ceci reste une démonstration. Je l'allumais, d'accord. L'autre, il est allumé, d'accord. Il y a le pote qui est là, le premier. Je vais mettre le deuxième à côté. Tu vois, il y en a un qui se déclenche, tu vois. Et pas l'autre. Il se déclenche tout seul, l'autre. Que tu vois, si je ne prends celui-là, tu vois, je viens de prendre.
Je vais mettre l'autre à sa place. Ce que je veux dire. Ouais, alors est-ce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, tu sais? Ouais, c'est pas normal. Ouais, donc ouais, je pense qu'à mon avis, il y a de gros problèmes sur les pods. Hein. Nous décidons de mener la suite dans la salle de piano conférence où nous allons tenter également plusieurs approches. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette belle salle de musique, cette salle de danse, de joie, d'amour? Marseille. Vous venez de Marseille? Je vais augmenter la sensibilité. Grec. Comment vous appelez-vous? 47 ans. 47 ans. Et comment vous appelez-vous? Adrienne. Adrienne. Bonsoir Adrienne. Barin. Vous venez du Barin. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Laure. Avec Laure, vous êtes venu du Barin? Non, c'est votre ennemi, Laure, c'est ça? Continuez, parce que là... Flambé. Flambé. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, une entité, un esprit? Si oui, pouvez-vous déclencher l'appareil que j'ai sur ma main, dans ma main gauche, en vous approchant tout simplement de cet appareil? Ou alors, en déclenchant un mot dans l'appareil que j'ai dans ma main droite. Merci de vous manifester si vous êtes là. Nous vous en serions reconnaissants. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, ici, qui aimerait communiquer avec moi par l'intermédiaire de ses baguettes? Si oui, écarter les baguettes vers mes épaules. Est-ce que vous pouvez mettre la baguette de droite à ma droite? Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent dans cette pièce? Si oui, la baguette de droite à ma droite. Bon là, c'est la baguette de gauche à ma gauche. Alors, on va recommencer la convention. S'il y a quelqu'un, c'est la baguette de droite à ma droite. S'il y a quelqu'un, la baguette de droite à ma droite.
Je l'ai fait exprès, non? Oui, alors. Ici. Est-ce que vous voulez que cette... Allez, bon, on va déjà stabiliser, hein. Calmez-vous, là. Est-ce que vous voulez que ce soit Pascal qui communique avec les baguettes avec vous? Si oui, je voulais deux baguettes qui touchent mes épaules sur l'extérieur. Il y en a qui se moquent de nous, là, je crois. Tu te dis depuis tout à l'heure, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Quoi, ah, sur cette chaise? T'as plus qu'à t'asseoir. Tu crois? Non, je sais pas si... Est-ce que je dois m'asseoir sur cette chaise? Si oui, écarter les baguettes sur mes épaules. Que ça vous convient comme ça? Si oui, les baguettes sur mes épaules. Bon, allez. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, écartez les baguettes, sinon croisez-les devant moi. Est-ce que votre prénom commence par un C? La lettre C. Donc, toujours pareil, hein, si oui, écartez les baguettes. Sinon, croisez-les devant moi. Ok. Est-ce qu'il s'agit de Thérèse? Recalibrer les baguettes. Oui, écartez sur les épaules. Plus loin. Encore. 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 Non. J'ai écouté. C'est un peu plus coincé dehors. Je n'écoute pas, non, mais j'ai écouté du parquet, moi. Ouais. Par là, alors? Non, non, dans la salle d'à côté. Là, là? Est-ce que Thérèse est parmi nous ce soir? Est-ce que c'est vous, Thérèse? Si c'est oui, les baguettes sur mes épaules. Si c'est non, on croise les baguettes. Éventuellement. Est-ce que votre prénom commence par un T? C'est vachement timide, quand même.
Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous, Thérèse? Je sens quand même une odeur de pivoine. Est-ce que c'est vous qui sentez la fleur? La pivoine. Est-ce que vous êtes parfumé à la pivoine? Non. Est-ce que vous avez habité ce château? Est-ce que vous êtes venu danser dans cette pièce, pas dans le château? Est-ce que vous êtes venu danser dans le château? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que vous avez été propriétaire de ce château? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Alors j'ai une baguette. Alors est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Et l'autre? Ok. Donc là, vous êtes bien. Est-ce que vous êtes seul? Je vais arrêter la communication. Je vous remercie. Et peut-être à bientôt ou à tout à l'heure si vous souhaitez vous manifester à nouveau. Merci, au revoir. Nous ne vous l'avons pas montré, mais dans la salle de cabaret, ainsi que dans cette pièce où nous nous trouvons actuellement, nous avions en quelque sorte festoyé, en mettant de la musique et en apportant de la bonne humeur. Comme vous l'avez vu, une entité s'est présentée auprès des baguettes de Cathy, sans que l'on puisse en tirer de conclusion, bien qu'une communication ait été réalisée. Nous stoppons donc notre investigation dans ces salles afin de se concentrer ailleurs sans réelle conviction quant au calme olympien qui règne dans ce lieu. C'est vraiment... Comment? Attends, parce que... Je demande si quelqu'un ici. Ariane. Ariane. Ouais, Ariane. Hein? Il faut partir. Ici? D'ici? Il faut partir. Ah ouais. D'ici? D'ici, ouais, je pense. Là, je parle à la madame ou au monsieur, là. Ariane? Ouais. Thank you.
Il fait très très froid ce soir. C'est bon. Toi, quel cadeau? Le cadeau. Jackie. Jackie. Meurtrière. Dans les meurtrières. Embarqué. Ah oui. Cul-de-sac. Un cul-de-sac, là. Comme tu veux, ou à tes pieds, ou... Bonsoir à vous. Donc, on se présente. Moi, ouais, c'est Cathy. Yep. Non, moi, c'est Pascal. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Juste communiquer ou en apprendre davantage sur ce lieu. Si vous êtes d'accord. Donc n'hésitez pas soit à vous présenter devant la caméra, une caméra au sol. Il y a également un cadeau qui est un peu plus loin vers la rambarde de l'escalier. Et il y a aussi un pod, donc un instrument sonore, voilà, qui émettra un bruit si vous vous approchez de cet appareil. Je tiens aussi un appareil dans les mains au cas où vous voudriez dire quelque chose. Donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. J'ai écouté du bruit là-bas, tu passes à écouter. Au fond là-bas? Ouais. Un bruit de porte. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, faites déclencher un appareil, s'il vous plaît. On est là dans la bienveillance. On ne lui veut aucun mal. Donc, n'ayez pas peur. Pouvez-vous vous allumer, vous rapprocher de l'appareil qui est contre la rambarde d'escalier, juste avant la descente?
s'il vous plaît. Alors, si la lumière vous gêne, je vais l'éteindre. Voilà, nous sommes dans le noir. Pouvez-vous vous manifester auprès d'un appareil, s'il vous plaît? Allez-y, maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a du vent ce soir, hein, mais ça claque un peu. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui claque. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous taper contre une porte, un mur, le plancher? Alors pas ici parce que c'est pas du plancher. C'est du ciment. La tomate, non? C'est de la roche. Ben, c'est de la pierre. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi taper sur la porte qui est au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pouvez-vous taper deux fois? Pouvez-vous taper deux fois? Pouvez-vous taper deux fois? Pouvez-vous vous approcher d'un de nos appareils, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous pouvez vous rapprocher du petit appareil qui est au sol en face de moi. C'est inoffensif pour vous. Et nous, ça nous permettra de savoir que vous êtes là. Ça va juste activer quelques petites lumières qui nous avertira de votre présence. Et ça ne vous fera aucun mal. Allez-y maintenant. Il n'y a personne ici. Ou sinon, vous pouvez vous rapprocher de l'antenne de l'appareil qui est au sol en face de moi. Celui-ci émettra un son qui nous informera de votre présence. Cet appareil est également inoffensif pour vous. Et cela nous permettra de rentrer en communication avec vous. De savoir que nous ne sommes pas seuls et vous aussi. Allez-y maintenant. Bon. Tu sais ce qu'on peut faire maintenant? On peut vadrouiller. Vadrouiller un peu partout. Ouais. On laisse les instruments là comme ça et puis... On vadrouille, on prend quand même le K2. Juste le K2, ça suffit. Le K2 et puis le pod. Peut-être le pod, si le K2 se déclenche, on peut mettre le pod. Tu ouais. vois? Hein? Ouais. Et puis la caméra fixe, on peut la laisser là pour l'instant. Ouais. Alors par contre, je vais éteindre le pod. Ouais. On le prend avec nous. Ouais, ouais. Ah, tu peux mettre de la lumière hein, maintenant. On le prend avec nous. Si je le tire sur moi, il ne va pas... Arrêtez de tirer. Ouais.
Bah, on va en bas, non? Ou je sais pas. Tu veux qu'on essaye en haut, là-bas, autour du chemin de ronde? Dans l'escalier, sur le côté, juste déambuler. Avec le K2 à la main, voir s'il se déclenche. Juste avec le K2 à la main. Hein? Alors, on fait juste une promenade. Juste. On va déambuler un peu comme ça. Voilà. Et quand ça se déclenche, on s'arrête. Dans une seconde. Non, c'est vraiment pas ça qui déclenche. Carrément pas. Il s'est déclenché? Ben, en marchant, ça peut être les vibrations du coup. Ah ouais, mais c'est pas ça. Avec les vibrations des poules. Voilà. Les vibrations des essaye de derrière la porte là. Comment? Si, vous avez mis derrière la porte l'autre jour. Ah, oui. Je vais maintenant. Si tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, approchez-vous de l'appareil. Il y a quelqu'un sur ce fauteuil ou devant cette porte qui souhaite communiquer avec nous. Hein? Il s'enclenche? Ouais, mais je crois que c'est les vibrations. Attends, évite peut-être d'éclairer ce sujet. Ou éclaire le plafond si tu veux. Ça peut pas être ça. C'est déclenché? Un petit peu, mais c'est pas la lumière. Est-ce que vous pouvez déclencher cet appareil? Merci. Merci beaucoup. Très bien. Parfait. Très très bien. Si tu veux. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Franchement, c'est ça qui est compliqué, c'est de déterminer. Parce qu'on dirait que c'est régulier. Ouais, non, je parle pas de ça. Ah. Je parle de ça. Tu veux qu'on s'éloigne? Alors, pouvez-vous vous approcher des deux appareils, s'il vous plaît? Pouvez-vous toucher l'antenne de l'appareil qui est à côté? Pouvez-vous toucher l'antenne de...
l'antenne de l'appareil qui est sur la chaise, s'il vous plaît. On continue. Pouvez-vous redéclencher les lumières de l'appareil qui est sur le fauteuil? Je vais m'éloigner un petit peu. Allez-y. Pouvez-vous déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Vous êtes parti? Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, déclencher l'appareil qui est devant moi? C'est inoffensif. Ah, merci. Pouvez-vous recommencer? S'il vous plaît? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. Allez. On se casse. On redescend. On redescend. Parce que... Vas-y, passe devant, comme ça je te filme en même temps. Alors on déambule, on va à gauche, on s'arrête en temps sur une table. Sur un meuble. On n'a pas fait la salle chinoise et marocaine. Tu veux qu'on y aille tout de suite, on ira après. Bon, vas-y, pose-toi, on ira après. On a le temps. Hein. Ça, je vais le mettre ici. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, pouvez-vous vous approcher de l'appareil qui est sur, je ne sais pas ce que c'est, un meuble, un banc, qui est en face de moi, s'il vous plaît. Allez-y maintenant.
Manifestez-vous auprès d'un de nos appareils. S'il vous plaît. Après, sans rire, moi, ça me gaverait de faire ça tout le temps. Tu m'étonnes. Puis ça après, le tri des vidéos et tout, tu te rends compte, va falloir c'est vraiment être passionné, quoi. Franchement, là, c'est clair. On va déplacer tes yeux, on va mettre s'ils veulent bien venir. Hein. Oh, ils déclenchent à fond, là. Comme hier. Là, il y a quelque chose ici. Ouais. Parle voir. Alors, merci de nous avoir rejoints. Il y a vraiment quelqu'un. Est-ce que c'est pas la caméra qui est en face, hein? Ben, je sais pas, écoute. Fais interférence, mets-toi entre elle et le K2. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Merci. Est-ce que vous pouvez recommencer à activer le K2, s'il vous plaît? Maintenant. Il y a bien quelque chose sur cette table. Merci. Est-ce que c'est un animal? Vous pouvez répondre avec des mots sur l'appareil que porte Pascal. Est-ce que c'est des oiseaux? Déjà hier, ça n'arrêtait pas de s'enclencher ici. Est-ce que vous pouvez faire un bruit qui confirmerait votre présence? Maintenant, s'il vous plaît. Allez-y. Faut pas avoir peur de nous. Est-ce que vous ne déclenchez plus parce que je suis trop près? Je vais me reculer. Ouais, tu peux t'éloigner. Allez, je m'éloigne. Et c'est pour rapport à la caméra. Est-ce que vous pouvez sélectionner un mot dans le boîtier que tient Pascal? S'il vous plaît. Nous donner votre prénom. Si vous le souhaitez. Ou un indice sur un message que vous voulez nous communiquer. Quelque chose qui pourrait permettre la communication avec vous. Il y a un être humain qui fait du bruit à côté de moi. Vous pouvez le toucher pour qu'il s'enclenche. Il faut juste vous rapprocher de l'antenne au plus près et normalement l'appareil se déclenche. Mais ça ne vous fera vraiment aucun mal. En tout cas, toutes les entités qui se sont approchées, jamais personne ne s'est plaint. Bien au contraire, elle s'amuse avec, parce que ça fait du bruit, et certainement que ça doit procurer de l'énergie également. Vous pouvez faire ça? Allez-y, on vous écoute. Donc l'appareil est ici. Ça? Non. Vous allez partir.
Il est par terre. Ah oui. Il est juste à côté de moi. Il est là, voilà. Est-ce que vous pouvez toucher l'antenne de cet appareil qui est devant moi au sol, s'il vous plaît? Devant moi et Pascal. Allez-y, maintenant. Normalement, ça ne devrait pas vous prendre d'énergie. Peut-être même le contraire, vous en donner. Donc n'hésitez pas à déclencher. Allez-y maintenant. Vous êtes parti? Oui, alors je vais vous dire quelque chose. C'est pas sur moi qu'il faut prendre l'énergie. Par contre. Ah non, 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 vous vous servez sur un des appareils. Moi j'ai besoin de mon énergie. Éloigne-toi un petit peu peut-être du pod. Ouais. Non, non, vous vous servez sur vous prenez l'énergie des appareils que vous voyez allumés. La caméra, le Spirit Voice, les appareils que l'on tient dans la main ou les appareils au sol. Pas sur moi, merci. Éloignez-vous de moi. Parce que nous avons besoin de notre énergie. Et voilà, il suffit de vous approcher de cet appareil, de l'antenne. De circuler sur le tapis, à droite de moi. Bon, il n'y a plus rien. On laisse le pod au sol. On prend le K2 et on va un peu plus loin. On laisse le pod là. Je sais pas, comme tu veux. Ah, peut-être pas. Non. C'est dommage qu'il n'y a pas une télécommande, le pod. C'est pour l'éteindre. Bon, vous êtes parti? Vous êtes fâché? Bah oui, bah c'est comme ça. Vous avez le libre arbitre et nous aussi. C'est ce qui s'appelle la bienveillance. Bon, bah tant pis. Allez, on continue notre chemin. Ouais, vas-y. Alors, le lieu est beaucoup plus agressif qu'hier. Ça, je peux vous le dire. On va croire qu'il n'y a que les âmes agressives qui se manifestent. Du coup. Du coup, on va dans une salle. Oui. Alors attends, c'est laquelle la plus proche? Je suis perdue. Celle-ci là. C'est celle-ci la première, je crois. Allons-y. La salle marocaine.
décidément. On va y arriver. On va être obligé d'allumer la lumière un petit peu. Au bout d'un moment, ça a encore engourdi les doigts. On fait beaucoup pour essayer d'établir une communication avec vous. Donc ce serait bien si vous pouviez faire un petit effort. Nous, on vous donnerait des informations sur l'époque où nous vivons. Et vous, vous pourriez nous transmettre des choses dans l'espace-temps où vous êtes. Beaucoup d'efforts, beaucoup voilà, c'est le reflet dans le carreau peut-être. Ouais, on fait beaucoup de choses pour essayer d'établir une communication avec vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un effort pour entrer en contact avec nous? Ne serait-ce qu'un bref instant. On vous remercie par avance de tous vos efforts. Allez-y. Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil qui est sur la table ? Et cet appareil-ci, le premier devant moi, vous pouvez essayer de piocher un mot dedans, votre prénom par exemple. Il y a un appareil plus loin où il suffit de vous en approcher. Celui-ci s'allumera, les petites lampes vont s'allumer. Rien de nocif pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous maintenant? Si oui, manifestez-vous maintenant. Vous pouvez également faire un bruit. Taper sur le sol, sur un mur, dans une porte. Ou sur la table. Ou sur la table. Ou je sais pas, le lustre, je sais pas comment est le lustre. Faut pas le faire tomber. Non. Mais faire du bruit, un bruit qui permettrait de savoir que c'est vous. Allez-y maintenant. Est-ce que vous pouvez vous manifester par un autre moyen, une apparence visuelle, un mot? On va faire la pièce chinoise et puis, je sais pas, on tente une Ouija, un truc comme ça, un guéridon. Ouija, peut-être. Ouais. Bon, eh ben,
Merci pour ce bon repas hein, marocain. On aime bon, beaucoup le couscous. Les merguez, le riz. Le thé à la menthe. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a rien après minuit, non. Je sais pas. Il ne faudra pas insister, c'est pas après. Ouais. Après, comme tu dis, pour être passionné, pour. Bah après, il faut quand même un minimum de trucs qui nous tiennent, quoi. Enfin, je veux dire, si ça se manifeste, ok, on reste, mais s'il n'y a rien. Moi pour le moment c'est juste que des ressentis physiques. Il fait frais ici, hein. Il fait frais. Il y a vraiment quelque chose sur cette table. C'est là? Oui, ça c'est la salle chinoise en asiatique. Chinoise? Asiatique. Miha. Miha qui veut dire bonjour. Miha. Quelqu'un qui s'est assis ici. Comment? Quelqu'un s'est assis ici. Mmh. Un gros guéridon. Ah bah c'est peut-être. Ah bah c'est peut-être les bruits de pas qu'on a entendus tout à l'heure, tu sais. Ouais. C'est peut-être Jérémy qui est venu ici avec sa copine. Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir. Donc on se présente puisque nous changeons de pièce. Donc moi c'est Cathy. Et moi c'est Patrick. Patrick? Oui. Patrick, Pascal. Ah. Papa Noël. Avec le bonnet. Bon, ça commence bien. Je vais éteindre la lumière. C'est moi. Alors, assieds-toi, Patrick. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler avec nous? Nous ne sommes pas des ours. Ici, il n'y a personne qui veut parler avec nous. Pourquoi? Pourquoi personne ne veut communiquer avec nous ce soir? Est-ce qu'on dégage une odeur désagréable? Alors j'ai envie de dire, est-ce que notre énergie n'est pas bonne? Sauf que hier, une personne qui est sur le même plan que vous nous a indiqué qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie.
Donc nous sommes venus aussi ici ce soir pour communiquer avec vous. Et nous souhaiterions établir une communication maintenant. Pour ce faire, vous avez un appareil qui est devant moi avec une petite lumière. Cet appareil est complètement inoffensif pour vous, mais cela nous permettra de détecter votre présence. À savoir que nous, vivant sur Terre en 2023, nous n'avons pas tous la capacité de vous ressentir ou de vous voir. Alors ressentir ça peut, voir des fois, mais en fait la plupart du temps on ne voit rien et on ne vous voit pas. Ouais. Et nous, on ne vous entend pas. Donc du coup, on a emmené quelques appareils qui peuvent faciliter la communication avec nous. À savoir que nous, nous sommes sur le plan des humains sur Terre et nous sommes en 2023. Et vous, là nous nous sommes présentés, pouvez-vous vous présenter, déjà manifester votre présence? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, approchez-vous de l'appareil qui est devant moi, avec la petite lumière, ou l'autre à côté avec l'antenne. Ces appareils sont complètement inoffensifs pour vous. Vous pouvez même trouver ça amusant. Vous pouvez même pomper leur énergie. Si ça vous est utile pour vous aider à communiquer avec nous. Allez-y maintenant. Vous pouvez aussi, là, dans l'appareil que tient Patrick Pascal. Je pose sur la table. Voilà, également, qui est sur la table. Vous pouvez sélectionner un mot dans une banque de données qui se situe à l'intérieur. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais voilà, apparemment, vous pourriez, avec votre énergie, sélectionner un mot qui pourrait nous permettre de communiquer avec vous. Tu vois là, il y a rien qui se déclenche, alors que dans le couloir, ça se déclenche. C'est quand même bizarre. Ouais, alors après... Il y a peut-être une onde qui passe, tu veux dire. C'est possible, hein, comme l'électricité, tout ça, la wifi. Là aussi, ça passe, hein, la wifi. Bah ouais. Bon, vous voyez, il y a tellement peu de manifestations qu'on doute, on est en train de douter de tout, là. On voulait repartir d'ici avec plein de preuves, et au final... On revient dans le doute. Enfin, au moins, on doute qu'il y ait des présences ici, quoi. Voilà, parce que les preuves, après, c'est... On a cumulé beaucoup, mais bon, c'est un peu... Je fais un peu exprès pour provoquer. Ouais. Bon, allez-y. Maintenant. On est désolé, mais on n'a pas peur, donc on peut pas, vous pouvez pas vous utiliser notre énergie de peur pour déclencher les appareils. C'est ballot. Ah, là, ça s'est un petit peu déclenché aussi. Vous pouvez déclencher à nouveau l'appareil. Oui, bien. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Allez-y, revenez. Rapprochez-vous de cet appareil un peu plus près. Et si vous ne le voyez pas, nous, on va vous dire si ça se déclenche. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Alors, rapprochez-vous un petit peu plus près, s'il vous plaît. Vous risquez rien. Rien du tout.
Allez-y. Maintenant. Après de multiples provocations et d'interpellations dans ces différentes salles, le lieu restera décidément calme. Hormis la salle d'armes, où je ressens de l'agressivité et beaucoup de mouvements, des manifestations auprès du K2 également, ainsi que dans la salle de conférence, où une entité s'est présentée auprès des baillettes, les autres pièces resteront muettes. Après des rushings, nous constatons quelques anomalies visuelles concentrées seulement sur des orbes. Le pod et la Spirit Voice resteront silencieux. Nous décidons donc de retourner dans le salon pour y mener une nouvelle séance de Ouija, où vous allez le voir, quelque chose d'inhabituel va se passer. L'entité Pascal est demandée sur la table. Merci pour le ricantonné. Un bon ricantonné là. Des bonnes nems. Devant. Vas-y. J'ai l'impression qu'il s'est penché. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu ce tabou, par contre. Regarde, si j'ai regardé hier, regarde, il y a un mouton sur des... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est quoi? Marche à l'étoile. De nid de solaire. C'est assez nordique. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il fait un froid. Ça caille ici. Bah, il faudra bien, ou alors on allume la bougie. C'est un revoir. Ouais.
C'est pas possible, ça. Il n'est pas allumé. Ah, si. Alors, je vais mettre le 25 novembre. Non mais t'y crois toi? Ça nous l'a soufflé, dis donc. Est-ce qu'il faut prendre ça pour un signe? Elle veut pas s'allumer. Il fait peut-être trop froid, non, je sais pas. Elle veut pas s'allumer. C'est la première fois que je vois une bougie qui veut pas s'allumer. On va voir la plume cigare, il doit être pas bon. Mais c'est incroyable quoi. La bougie, non, elle s'allume pas. La bougie ne s'allume pas, ça vaudrait le coup de la filmer, tiens. Attends. On va voir. Hein. On va autre chose. Regardez, avec une allumette. La bougie ne s'allume pas. J'avais vu une bougie qui s'allume pas, vous. Alors qu'elle est allumée hier quand même. On va prendre une bougie chauffe-plat. On va se barrer. Puis voilà, on va vous laisser tout seul. Chercher une bougie chauffe-plat. Bougie qui s'allume pas. Non mais les bougies chauffe-plat, elles sont dans la première solution. Ouais. Allez, nous allons commencer la séance de Ouija. Donc, nous l'ouvrirons et nous la fermerons, cette séance.
Donc je déclare la séance ouverte. Nous sommes là dans un esprit de bienveillance. Voilà, donc nous souhaiterions communiquer avec vous. Et nous vous remercions par avance. Alors voilà, moi c'est Cathy. Moi c'est Pascal. Ben écoutez, voilà, la parole est à vous. Tu as quelque chose à rajouter? Non. La parole est à vous, donc s'il y a quelqu'un, dirigez-vous vers le oui. S'il y a quelqu'un avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous tout de suite? Si oui, dirigez-vous vers le oui de la planche. Alors je vais également profiter pour donner la règle du jeu. Pas du jeu, c'est pas un jeu. Mais entre chaque mot, il serait bien de revenir au centre. Pour nous faciliter la communication. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, orientez-vous vers le oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui souhaite communiquer? Si oui, pouvez-vous bouger la goutte? Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous tout de suite? La séance de Ouija est ouverte. Est-ce que Lucie est là? Est-ce que Benoît est là? Monsieur Tagori, est-ce que vous êtes là? Peu importe qui vous êtes, si vous passez par là, merci d'orienter la goutte vers le oui. Allez-y, maintenant. Soyez pas timide, allez-y. Allez-y franchement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, merci de bouger la goutte. Et de vous orienter vers le oui. Allez-y, merci. On va la remettre au centre. Après plusieurs longues minutes d'interrogation sur la planche, aucune âme ne viendra déplacer la goutte. Après un petit moment de pause bien mérité, nous partons pour le chemin de ronde. Est-ce qu'après on va enchaîner sur le chemin de ronde? Oui, je vous jure. Si quelqu'un veut se manifester à travers nos appareils, c'est la dernière fois qu'on va le dire. On va aller boire un coup.
la séance de Ouija n'aura rien donné également. Chaud dans cette pièce. On dit rien avant. Comment ? On dit rien. Non. Silence.
Oui, si, parce que vous êtes là. Pouvez-vous nous honorer de votre présence, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous manifester sur le chemin de ronde? Nous sommes venus pour vous voir, en toute bienveillance. Les 12 coups de minuit ont sonné. Pouvez-vous, s'il vous plaît, circuler sur le chemin de ronde, comme vous le faites habituellement? Nous vous remercions, Lucie. Nous savons ce qui vous est arrivé, ce grand malheur, cette souffrance. Nous compatissons à votre grande peine et à votre souffrance. Êtes-vous sur le chemin de ronde tout de suite? Pouvez-vous venir? Lucille, est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous nous faire l'honneur de votre présence, s'il vous plaît? Nous sommes là dans la bienveillance. Nous avons longtemps vous voir. Approchez-vous, Lucie. Nous ne vous voulons pas de mal. Nous aimerions beaucoup vous rencontrer.
T'as vu quelque chose? Ben, je crois que ça bougeait quand même. Ouais. J'ai vu des lueurs blanches. Après, je sais pas si c'est mes yeux ou autre chose. Ouais, moi aussi un peu. Quand on était ensemble. Ouais, ouais, ouais. Même là tout de suite. Là, ça va. Ah ouais. Ouais.
ce soit bien à savoir si c'est des yeux ou autre chose. T'as entendu quelque chose au casque? Non. Sauf en dernier. En dernier, il a semblé pas écouter comme des bruits de pas. Mais ça n'a pas duré longtemps. Là aussi, dans le chemin de ronde, rien ne s'est réellement passé. C'est donc sans regret que nous quittons la tour de l'horloge. Nous décidons en un ultime recours de placer la caméra principale dans la salle d'armes, lieu où il y a eu finalement le plus de phénomènes. Comme vous allez le constater, rien de bien concret ne va réellement se passer. C'est très bien. Bon, et bien, bonne nuit. Nous allons nous coucher. J'espère que c'est comme il faut, je sais pas. J'espère qu'il y aura des captures demain. Après Derushing, ce sont les seules anomalies que nous avons détectées. Plus rien ne va se passer durant cette nuit, mis à part quelques souris qui naviguent par ici et par là. C'est donc l'heure pour nous de plier les bagages et de rentrer à la maison. Alors voilà, monsieur, dame, on plie bagage, voilà, on a fini cette enquête, voilà. Donc on rentre à la maison, on va donc revoir un peu tous les rushs pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'on n'aurait pas perçu. Donc je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Ben, c'était déjà 2 jours d'investigation, déjà dans le froid, donc ça a été compliqué. Il a fait très très froid, nous sommes fin novembre, nous sommes le 26 novembre aujourd'hui. Quoi dire, moi j'ai envie de dire que le lieu est très paisible, il est en paix, il est, oui il y a des bruits, oui il y a des petites choses qui se passent, mais c'est pas transcendant. Mis à part hier, où Pascal s'est senti un peu agressif. Bon, ouais, après c'est pas dramatique non plus. Mais voilà, bon. Mais moi j'ai été très heureuse de passer 2 jours dans ce magnifique château. Quand même assez atypique. La baronne et Jérémy sont super gentils, super accueillants. Et ils nous ont laissé investiguer quand même assez librement. Et voilà, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire à peu près. Voilà, à peu près. Donc, parce que ça demandait quand même pas mal d'organisation, de supervision, quoi, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'on était peut-être un peu à court de matériel. On s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau parce que quand on est arrivé avec le froid et peut-être avec l'ambiance. La nuit est vite tombée aussi quand on est arrivé. Oui, voilà. Et puis donc ça a soufflé les batteries assez vite. Quoi. Mmh. Donc on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau.
Après, effectivement, comme dit Cathy, c'est relativement calme. Tout ce qu'il y a, le plus souvent, c'est des mémoires, des vieilles mémoires. Donc, j'ai envie de dire que pour réveiller tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut vraiment être sensitif, quand même. Et ça demande quand même une capacité médiumnique pour pouvoir canaliser les âmes qui ont été présentes et décédées sur le site. Oui, parce que leur intensité n'est pas très intense. Voilà. Eh ben, écoutez, si c'est à refaire, on le refera peut-être. Ouais, oui, tout à fait. Voilà. Après, château, enfin, vous pouvez y passer un week-end sans problème, ne serait-ce que ben, pour profiter du lieu, des alentours, du jardin. Voilà, et vous dormirez tranquille. Voilà, rien que ça. Donc, après, on fait tout un schéma sur le paranormal. Mais bon, si vous attendez dans le paranormal, si vous attendez reconnaissance ou quoi que ce soit, faut pas venir. On la reconnaissance et puis bon, il y a eu des bruits, hein, il y a eu beaucoup de bruit, mais voilà, pas après c'est tout à chacun, hein. Un bruit va faire peur à une personne et puis à l'autre non. Pour moi, il y a eu beaucoup de bruit parce que la demeure est très 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 ancienne. Il y a le travail, il y a beaucoup beaucoup de bois, il y a beaucoup de courants d'air. Ouais, les courants d'air, le bois qui craque, après c'est normal. Donc il y a pas mal d'animaux aussi. Hein. J'ai cru entendre des souris Ah ouais, j'ai pas entendu. justement dans le chemin de ronde d'en haut. Donc voilà. Mais bon, il faut dédramatiser un peu tout ça. Hein. Je crois que c'est Mais pas. c'était voilà, c'était bien, bien, bien sympa. Eh bien, en tout cas, on vous remercie. Merci. Et bah, à très bientôt, ou pas. Pour Voilà. d'autres aventures. Voilà, donc sur ce, on vous dit à bientôt, peut-être, et on vous dit bye, bye, bye. Bye bye. 2 jours, nous avons pu rentrer en contact avec le monde invisible. Au final, les différentes communications que nous avons pu avoir, les différentes anomalies sonores et visibles que nous avons pu relever ne sont pas le fruit de l'imagination. Bien que l'on n'affirme absolument pas qu'il s'agit de preuves de manifestation avec l'au-delà, il en demeure pas moins que nous restons persuadés que ces événements ne sont pas vraiment rationnels. À travers l'écran, vous ne pouvez pas ressentir les perceptions émotionnelles et physiques que nous avons pu vivre en complémentarité. Au cours de ce week-end, nous nous sommes également battus contre le froid et le matériel. Comme vous avez peut-être remarqué, les piles, batteries, ne tenant absolument pas. La bougie refusant de s'allumer, ainsi que d'autres choses refusant tout simplement de s'allumer, comme les caméras fixes alors que nous étions à quelques mètres d'elles, mais aussi la fameuse corruption de la carte SD de la caméra portable lors de la première soirée. Comme si l'on voulait nous empêcher ou nous retarder de quelque chose. Enfin, les lieux étant occupés, il est donc très difficile de savoir si les sons et les bruits auxquels nous avons pu être témoins ne sont pas simplement ceux des propriétaires ou d'animaux. Le château ne nous aura pas délivré tous ces mystères, mais si cette enquête peut faire office de complément avec d'autres enquêteurs dans le but de partager nos expériences, alors nous pourrions trouver un semblant de vérité. Pour l'heure, nous vous disons à très bientôt et vous remercions de l'intérêt que vous portez au paranormal et à l'au-delà.
Mais dans un dernier sursaut d'orgueil, après avoir mis en ligne la première partie, nous vous laissons revoir ce qu'il s'est passé dans le chemin de ronde. Vous constaterez que personne n'a touché à la porte, comme j'ai pu le mentionner dans ma vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai le boîtier dans la main. Le bruit émis à l'instant, c'est Cathy qui le fait avec la porte. C'est calme. C'est calme.